très cher Jean-Yves, que le président Ouattara appelle à cette question le ministre de l'Afrique, de la Bretagne et des Affaires étrangères, parce qu'ici, en Afrique et en Côte d'Ivoire, on vous considère comme un ami. C'est un ami qui a su être à nos côtés pendant les moments difficiles. Vous avez rappelé les événements de Bassam. Et un ami qui, au moment où il était en charge du ministère de la Défense, a donné beaucoup à la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et la France. Et aujourd'hui, apporte une contribution efficace dans notre coopération bilatérale. Donc nous sommes très heureux de te recevoir et à l'occasion d'une manifestation qui va lancer les travaux de l'Académie de lutte contre le terrorisme, l'Académie internationale. Ici, nous venons mettre en place la vision des présidents Ouattara et président Macron de prévenir un fléau qui déstabilise notre continent, l'Afrique et le monde, le terrorisme. Ici, nous venons poser un acte qui va permettre à nos populations de vivre dans plus de quiétude. Parce que bien souvent, les terroristes ont toujours eu une longueur d'avance sur nous. On intervenait toujours après coup. Et cette vision de mettre en place l'académie pour former nos magistrats spécialisés dans le terrorisme, nos policiers spécialisés, nos militaires spécialisés, va permettre d'anticiper. Parce qu'il nous appartient aujourd'hui de dévancer ces actes-là par la connaissance, par nos experts, de leur mode opératoire, la connaissance par nos experts de leurs moyens de financement pour prévenir justement l'acte, ne pas avoir à intervenir après l'acte. Ici donc sera cette académie, elle sera adossée à une base des forces spéciales ivoiriennes qui en assurera la sécurité et sera également un théâtre de vie et de mise en œuvre pratique de la vie de ces forces spéciales. Donc nous sommes très heureux et nous souhaitons que ces travaux se déroulent rapidement. Et je veux, à cette occasion, dire un grand merci à Omer et à tous les chefs traditionnels qui ont facilité cette cérémonie. Merci à tous et faisons en sorte que d'ici à Jacquesville, nous puissions avoir une école qui, comme on l'a dit, dépasse le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France et fasse participer toutes les nations éprises de paix, toutes les nations qui se battent contre le terrorisme. Je vous remercie.